créer une esthétique de l'album, une identité. Ça a été très, très intéressant et puis assez un long processus. Ça qui était presque le plus dur, c'est d'avoir un ensemble, vraiment un style de son qui est propre à l'album, au propre clavier de cet album. Les 3-4 premiers morceaux qu'on a fait à la répète, au final, ils ne sont pas sur l'album. Et c'est plus tard, une fois qu'on a fait des répètes ensemble, qu'on a testé des trucs, qu'on a créé vraiment une identité de groupe. Après, à ce moment-là, j'ai eu aussi l'inspiration pour l'album qui est arrivé. Après avoir passé tout ce travail de mon côté, où j'écris les compositions et je fais des maquettes, d'ensuite le voir en répète, comment chacun interprète la chose, quels sons vous utilisez, c'était hyper intéressant et puis c'était un grand apprentissage aussi de savoir, il y a des trucs qui sonnent cool comme je les ai pensés dans ma tête, mais ensuite à la répète, ça sonne forcément différemment. Commencer à jouer les compos d'abord, ça m'a aussi permis après en tant qu'ingénieur du son de les avoir déjà ressenti, de savoir déjà ce que je vais faire. C'est aussi d'une vision artistique puis de l'expérience aussi. Dans un projet comme ça où on fait tout nous-mêmes, chacun a un peu sa casquette de producteur. Après être patient, à pas vouloir aller trop vite, à brûler des étapes importantes. Si on rush l'enregistrement, le mix prendra 3 fois plus de temps. Enregistrer à la maison, préparer ses pistes, avoir vraiment le temps d'être bien posé, de réfléchir à l'esthétique du son. Et ensuite, préparation du live, où c'est un arrangement de tes propres parties. C'est une approche totalement différente que chez toi avec tes sons. Tout ça ensemble dans un seul projet, ça complète, c'est vraiment d'avoir une vision, vraiment un spectre entier. C'est ça que je trouve bien. Cet album, il est trop bien, achetez-le !